me présente, je suis Delphine Panic, autrice de BD. Mon parcours, là je publie mon quatrième livre qui sort aux éditions Cornelius, qui s'appelle Le vol nocturne, qui est en sélection officielle à Angoulême. Je suis plutôt autodidacte en dessin, j'ai fait une fac de lettres modernes. Et puis je me suis retrouvée là-dedans, pas totalement par hasard non plus, faut pas exagérer, parce que j'ai quand même un grand intérêt pour la BD. Mais petit à petit, en fait, j'ai rencontré les jumeaux, les éditeurs des éditions Mismar, et j'ai commencé par faire des petites pages dans leur revue Dopu Tuto, à l'époque où c'était encore un fanzine agrafé. Et puis voilà, petit à petit, ces pages, j'ai commencé dans cette revue-là à faire des pages de Orlando qui leur ont bien plu. Et ils m'ont dit, Delphine, fais-nous un bouquin avec ça. Voilà. Ça a été mon premier livre, Orlando. Alors, Le vol nocturne, c'est encore une fois, très souvent... Bon, donc j'ai cette formation en lettres, et très souvent mes livres partent quand même d'une influence littéraire forte. Enfin, comme Orlando, c'est carrément une adaptation. Mais là, ça a été le déclencheur, ça a été la lecture du Maître et Marguerite de Bulgakov, qui pour moi, comme pour beaucoup d'autres gens, a été une vraie révélation, une lecture incroyable. Et voilà, et c'est en lisant ça, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire du fantastique, mais pas du fantastique dans le thème ou dans le... Enfin bon, en plus, c'est rigolo, parce qu'en BD, le fantastique, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc voilà, je voulais pas du tout aller vers la SF, mais justement traiter le fantastique, comme ça peut l'être parfois, c'est plus souvent fait en littérature qu'en BD, dans la narration, donc aussi dans un mode narratif un petit peu éclaté, un petit peu onirique, sans vraiment qu'il y ait une chronologie classique, on va dire. Voilà, c'était vraiment ça le début du projet. Et donc, évidemment, je me suis concentrée sur les sorcières, puisque ça venait aussi de Maître et Marguerite. Mais ça permettait aussi, sur ce personnage des sorcières, de créer un monde avec énormément de possibilités, quoi. La magie, les passages, les changements de temps, d'espace, etc. Et puis évidemment la figure de la sorcière qui est quand même qui m'intéresse beaucoup par rapport à évidemment l'histoire des femmes, tout ce que ça représente. Alors ce qui m'inspire, comme je disais, c'est principalement quand même la littérature. C'est que ça. Voilà. Ouais. Non, je lis beaucoup. Je connais bien mes classiques, je les relis régulièrement, j'en lis des nouveaux, et c'est vraiment la base toujours de mes inspirations. Ça peut être parfois le cinéma, de moins en moins quand même. Alors un bon dessin, c'est une question difficile pour moi, parce que surtout moi dans ma pratique personnelle de la BD, en tout cas, Je me concentre, c'est pas tellement le dessin, c'est hyper important hein, bien sûr dans la BD, mais c'est pas le truc sur lequel je passe le plus de temps en fait, ou en tout cas c'est pas du tout le truc qui me fait réfléchir le plus. Dans le dessin je vais être assez spontané finalement, je laisse venir quoi. J'y travaille très peu à mon dessin. Par contre, je travaille beaucoup mes scénarios, j'écris beaucoup. Par exemple, mes carnets, c'est que du texte. Je dessine jamais, je fais pas de croquis, je me considère pas vraiment comme une dessinatrice, même pas du tout quoi. Je sais pas, par exemple, je suis incapable de faire un dessin sans histoire. Ça, je le fais très rarement. Quand on me demande, par exemple, de faire une illustration ou une affiche, c'est assez compliqué pour moi. Il faut qu'il y ait une histoire derrière. Donc, je suis très admirative des vrais dessinateurs, ceux qui savent faire ça. Voilà.
Mais pour moi, c'est pas, le dessin va pas sans l'histoire. Dans Le Vol Nocturne, je me suis quand même pas mal amusée avec le dessin, justement, mais dans l'histoire. Et j'ai fait des pages, c'était très agréable, parce que j'ai fait quelque chose que je faisais pas forcément avant, des pages qui sont presque abstraites parfois. Et notamment, il y a des pages que j'aime beaucoup. Il y a le moment où là, elles sont dans une espèce de grotte et puis la maison s'écroule. Et là, on voit la fissure qui s'agrandit. Donc, il y a des pages comme ça avec la fissure au milieu, la fumée autour. Si on les enlève de ce chapitre-là, elles sont presque abstraites, ces pages-là. C'est vraiment du motif. Ouais, pour moi, c'est pas quelque chose que je fais souvent, justement, des pages sans texte du tout, juste avec une composition. Et c'était très agréable de faire ça. Puis comme je fais beaucoup de petits points, enfin je fais tout le temps des petits points, j'ai une obsession du petit point. Et en plus quand je le fais, il y a un truc qui est très méditatif aussi, je passe des heures à faire mes petits points. Et voilà, ça fait partie, surtout sur Le Vol Nocturne, qui était en plus un bouquin voilà, qui parle de magie, de rêve, d'un monde un petit peu... onirique comme ça, il y avait quelque chose de méditatif et de magique voilà, dans l'exécution, dans la lenteur de la réalisation.